Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit record spécial YouTube, lancé à l'arrache, la game était déjà lancée, mais je me devais de lancer l'enregistrement parce que j'ai tout simplement la combo de quête la plus fumée ou une des plus fumées, etc. Je pense que c'est le plus fumé en vrai. C'est cette quête là, une fois que vous avez recruté un serviteur, lui donne plus un et améliore cette carte. Donc plus on achète de serviteurs, plus ils sont gros quand on les achète. Et combiné à ça, j'ai cet effet là, corruption à l'anima. Qui dit que quand on vend un serviteur, bah, il donne ses statistiques au serviteur dans le shop. Ce qui fait que du coup, je vais acheter tout ce que je vois. Je vais faire des gros serviteurs. Alors, il n'y a pas mecha, il n'y a pas bête. Donc, bon, après, on aimerait transférer les stats plus tard sur du cyclone ou autre. Ça serait cool de le choper au passage. Du cyclone. Enfin, on va faire des gros serviteurs dans un premier temps. Là, on va tout acheter. On va tout acheter, ça va être une dinguerie. Pour compléter, il faut encore invoquer 8. Donc, ça, c'est pas mal pour invoquer, évidemment. Là, il faut recruter. Bon, on va envoyer tout, hein, je pense. J'imagine que je vends E2 et je pique lui. En plus, c'est très bien parce qu'on a un très très bon start. On a une bonne tempo. La quête sera validée au prochain tour. Celle-là sera validée très prochainement aussi. Parce que là, je vais prendre encore 3. Parce que 4 même. Invoquer les serviteurs. Bon, quand on joue, c'est invoqué. Mais quand eux, leur algonie proc, c'est invoqué également. Il est à 23. Il doit être fort quand même, honnêtement. Yogg sur ce timing. Il doit pas être dégueu. Je vais quand même mettre ça devant. Faut que je proc lui, assurément. On va faire ça. Du coup, prochain tour, on validera ça. Et on essaiera de valider ça dans la foulée. On va être à 10, il manquera 6. Il faudra encore un tour pour valider corruption à l'anima. Ah, il est vraiment très très fort. Hein. Dans tous les cas, moi je vais pas up. Je vais vraiment essayer d'augmenter un maximum mes stats en tier 22, tranquillou. Alors, ce qui est super bien au passage, c'est qu'on est dans une bonne game pour faire ça. Parce que bon, les lames qui donnent des rolls, ça peut être sympa. Les mains en plus, ça fait beaucoup plus d'achat-revente, ça fait beaucoup d'écho. Collectionneur, ça peut être cool. Le murloc, le pirate, c'est incroyable. Le murloc aussi. On a un très très bon spot. Niveau HP, on est pas mal. On a de quoi faire là. Et puis en plus, on a des quêtes qui sont relativement faciles à faire. Donc, on se régale, on se régale là. Peut-être qu'on va augmenter les murlocs. Je vais faire ça. La quête est validée. Il va chercher un 4, ok. 11. On prendra ça pour transférer les stats après, j'imagine. Et je pense que je fais ça. Et je pense que je vais virer ce pirate là qui donne pas beaucoup de stats pour transférer après. Après, j'ai peut-être dû poser lui plutôt que de poser lui et poser lui. Mais bon, après, je boosterai, donc c'est ok. 12, 13, 14. Il va me manquer une invocation avant de commencer à faire les achats-ventes. 2, ouais. 4, 5. Bon, après, c'est Ivan, c'est même myope, ça, ici, vu qu'il y a les boosts. Ok. 13, 14, 15. Oui, il me manquera. Ah, ok. C'est possible qu'on perde ici, mais à partir du prochain tour, on va commencer à faire des dingueries. Hein. Bon, il est quand même relativement big avec le capitaine et les autres pirates. Il a pas up sur les Wiggles, ce qui est pas choquant dans la méta. Actuellement, globalement, les up sont. Les gens rushent moins les niveaux de taverne parce qu'ils veulent valider leur quête avant, souvent. Donc, assez standard, pas choquant. Puis bon, là, il a été chercher 2-4. Après, honnêtement, avec Galliwix, c'est rarement une bonne idée de prendre des 4 parce que les 5 sont juste des turbo win conditions avec Galliwix. Si tu chopes Bran, c'est broken. Si tu chopes Larder, c'est broken. Si tu chopes Nomi, c'est broken. Après, il était un peu low. Donc, ça peut expliquer son choix. Mais là, clairement, on a pris cher. À 21 HP, on a pris très très cher. Comment on va faire ça? On va vendre ça, c'est sûr. On va jouer ça, valider l'autre quête. Et. Le monde doit commencer quelque part.
On ne perd pas de stats parce que chaque fois, les serviteurs qu'on booste, après, on peut les revendre et les rebooster à nouveau. Donc, c'est vraiment très, 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 très fort. Le triple, je l'envisageais, il est tombé. Pourquoi pas l'écho éventuellement, mais bon, on va juste jouer les stats à mon avis, peut-être, c'est peut-être mieux. Peut-être qu'on va roll et essayer de retoucher autre chose. Pourquoi pas. Du coup, je vais vendre ça. J'aurais peut-être dû prendre le pirate en vrai pour le booster, mais bon, c'est pas grave, c'est ok. On va faire ça. Achat. Roll achat. Un peu d'écho. Allez. Et là, on commence déjà à être plutôt solide. Ça, c'est ultra dangereux pour moi. C'est pour ça que j'hésitais à me dire peut-être que je vais pas booster à taunt si jamais il y a des toxis. Mais je me suis dit, bon, on est tour 7. Mais j'ai quand même tout autre chose. J'ai quand même voulu jouer avec des taunts, mais. Je sais plus si j'ai revendu l'autre taunt ou pas d'ailleurs. Ouais, j'aurais peut-être dû garder l'autre taunt aussi. Mais bon, c'est quand même vraiment peu probable d'avoir déjà des boucliers toxiques sur ce timing. Mais c'est le cas. Alors, on n'est pas obligé de tout acheter non plus, hein, mais vu que c'est le premier tour, moi ça me va de vraiment booster tout n'importe quoi, entre guillemets. Pour vraiment maximiser. Et après, on ira chercher les bons serviteurs. Après, il n'y en a pas tellement. Il y a LM. Et après, c'est vite limité. On peut-être déjà up ce tour sur la fin du tour, on va voir. Peut-être garder le rejeton en vrai. Après, il y a démon qui est bien à booster en tavern 2 et l'entrelooper, mais le problème c'est qu'il y a les murlocs. Donc en gros, vu qu'il y a les murlocs, il faut que j'arrive à vraiment jouer avec des boucliers divins. Mais à part cyclone, il n'y a pas grand chose hein, qui m'intéresse. Il n'y a pas l'hydre. Il y a LM de fort en tavern 4 qui est bien. Et autrement, il y a l'héroïne qui est bien en tavern 2. Peut-être que je cherche l'héroïne. Ah, je crois que je vais essayer de trouver le cyclone quand même. Ok. Voilà, tour 8, c'est vraiment insane le board que j'ai. Tour 8, c'est vraiment à descendre les stats. Mais comme j'ai dit, c'est pas le meilleur spot. En fait, s'il n'y avait pas Murloc, je serais super bien. Ou alors à l'inverse, s'il y avait des boucliers divins avec Mecha, à la limite Cardia de bronze, il y a Cyclone quoi. Globalement, il y a Cyclone. Je vois rien d'autre de vraiment ultra broken. Éventuellement, comme je dis, LM de feu, mais il était 24, il faut aller chercher. Et après, il y a Brikai, mais c'est à 25. Ouh, c'est triple. On a une paire aussi. Une autre paire là-dessus. Après, ça, quand on la voit avec le boss, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup de stats. Plus que ça. À moins que je joue lui avec les pièces, mais. On aura beaucoup d'attaques. Après, j'ai pas tellement besoin d'attaques. Peut-être que c'est mieux de jouer ça en mode 7-6 du coup, grâce aux pièces. Ouais. Ok. Ah, c'est vraiment débile. C'est vraiment turbo débile. Regardez-moi ce board tour 9, c'est honteux.
Il a réussi à rush 6 grâce à sa tempo. Ok. Le souci, c'est qu'on met pas beaucoup de dégâts, c'est le point négatif de notre compo. Après, normalement, on fait forcément une bonne game. Après, on peut justement aussi up plus vite pour aller essayer de trouver les bonnes cartes. Mais encore une fois, dans cette game, il n'y en a pas tellement. Hein. Moi, ce que je veux vraiment, c'est héroïne et cyclone. Globalement. Héroïne, cyclone, et puis le Vyford avec l'héroïne, bien sûr. Et jouer gros stats, héroïne dorée, Vyford. C'est vraiment le plan. Mais le Vyford, dans l'idée, on essaie de le choper via triple. Mais bon, tant que j'ai pas d'héroïne, ça sert à rien. Donc voilà, je vais continuer à scale, être sûr de fumer mes adversaires. Et surtout, moi, ne pas perdre de points de vie, on sait jamais. Hein, quand on prend des mecs qui ont des compos scam, qui ont des boucliers, des compos full bouclier toxi, ça peut être la merde. Au tag, le mort. Ça, c'est insane en termes de boost. Juste envie que la taverne soit moins chère pour up, tout simplement. Franchement, c'est. C'est juste abusé. C'est juste abusé. Regardez-moi ça, tour 10 qu'on achète peinard là. On va acheter ça pour l'écho. On peut danser quand même sur l'héroïne. En se disant que de toute façon on la gardera et on la tauntera et peut-être qu'elle pourra prendre un value trade ou l'autre. Mais à ce moment-là, il faudra la taunter. Mais ouais, je suis pas sûr de gagner cette game à cause de Murloc. Et qu'il n'y ait pas de cleave surtout. Ça, c'est vraiment très 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 gênant. Mais c'est possible que j'hop déjà au prochain tour pour aller chercher peut-être les lames de feu qui m'aidera quand même pas mal en vrai. Niveau possibilité. Puis l'autre qui donne des rolls, ça peut être cool pour moi aussi. Faut essayer de trouver les cartes que je veux. Ça peut un peu aider. De toute façon, plus on augmente les stats, moins c'est intéressant de full acheter comme un con. En général, cette quête-là, vous voulez pas forcément tout acheter sans réfléchir. Le mieux, c'est de jouer avec Pirate APM ou de jouer en setup LM ou pouvoir avoir beaucoup de rolls et trouver du coup des bonnes cartes à booster et pas uniquement tout le shop. Là, vu qu'on joue avec celle-là, on a envie d'un peu tout booster au début parce que ça fait trop de stats. Mais plus on avance dans la game, plus on veut cibler évidemment ce qu'on boost. L'intérêt d'up, c'est de pouvoir mettre aussi plus de dégâts. Après ça, niveau eco, ça me met bien. Peut-être que je fais un tour de boost et après on jouera sur la 4. Yep. LM. Non, ok. Vraiment, les stats me fument. C'est hallucinant. Je suis choqué. C'est la première fois que j'arrive à faire la combo, hein, donc c'est pour ça que j'ai vu. En fait, j'ai eu la première quête, j'ai eu ça, je me suis dit, putain, si j'ai la deuxième, faut que je change sur record. Je l'ai eu, j'étais en mode, ok, c'est parti. C'est parti, il faut que je montre ça sur YouTube. Donc pour moi, on a deux très gros serviteurs. Il faudrait quand même essayer de mixer un peu plus, d'avoir des gros serviteurs un peu plus partout quand même. Parce que le danger de ça, c'est que si on se prend des héros et des mantis, c'est pas très rentable, donc on va essayer d'équilibrer un peu plus. Et surtout, essayer de trouver les bonnes cartes à partir du prochain tour. Après là, j'ai l'info qui joue LM, donc je suis normalement assez serein.
Si j'avais vu Murloc, j'aurais évidemment beaucoup plus réparti les stats. Mais là, je sais. J'ai l'info qui jouait la main. Donc, clairement, je ne suis pas trop acquis ici. Alors, globalement, quand vous jouez seulement avec celle-là, par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire des triples. Comme ça, du coup, les stats sont vraiment très très grosses aussi via les triples. Mais vu qu'on a ça, c'est même pas si important d'avoir des triples. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Il joue démon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pas de toxi. À partir du moment où il n'y a pas de toxi, je suis assez rassuré. Après, il a l'air d'être vraiment énervé. Genre, il a mis moins Vatia, c'est vraiment énorme. On va se permettre de roll. On peut prendre ça quand même. Hein. Genre, beaucoup d'HP là-dessus. Si personne joue Murloc contre moi, bah, ce sera vraiment insolent. Personne n'a l'air de jouer Murloc et d'être en vie. Donc, c'est clairement une bonne chose de partir là-dessus dans ce cas-là. En soi, Dynamiteur, ça peut être une bonne carte pour moi vu que j'ai pas de bouclier pour le moment. Peut-être qu'on pourra la laisser. Faudra-t-il qu'elle meure? Ok. Elise, peut-être que. Ouais, mais après, je veux vraiment des grosses stats sur l'autre, hein, sur lui. Ok. J'imagine que ça, on va la prendre comme ça. Ok. Je garde l'écho tant que c'est pas nécessaire, à mon avis. Et je pense que je fais ça, 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 et je pique ça, comme ça. Pas besoin de faire plus gros non plus. Genre, on pourrait vendre ça, mais c'est déjà énorme. Autant garder splitté. Pas all-in non plus. Ça me paraît pas mal. Ah, il est énorme. Il a grand groupe terre doré. Il a contre-maître doré et double contre-maître. C'est vraiment insane. Après, je suis vraiment énorme aussi. Il joue avec l'entourloupeur doré aussi. Si je fais un entourloupeur doré, je devrais pouvoir l'attraper lui. Hein. Faudra surtout que je dors mon entourloupeur dans ce cas-là. Je pense que je peux le battre, clairement, avoir plus de stats que lui. Mais il a un setup de dingue. Hein. Démon, c'est vraiment super fort actuellement. Et il a vraiment un giga setup là. Ouh, il est bien feed. Vraiment, tour 12 à voir ce qu'il a, c'est assez dingue. Mais je peux le battre, je peux largement le battre. Sauf si je tag un mec qui joue Murloc, quoi. Des Toxies, des Leroy, ce serait la merde. Genre, lui, il peut être dangereux. À 3 pirates, ça peut être une douille. Hein. Clairement, je suis pas serein, il a plus de pouvoir. C'est pas forcément rassurant. On va essayer de toucher un truc bien là, parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas eu les cartes que je voulais encore. On a triple là-dessus. Ah. Aïe 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 aïe. Faut que je go, je crois. Je pense pas que je freeze l'autre pour autant. Ouais. Je suis pas très content là. Bon, le feu m'a, mais. Clairement, j'étais pas serein par rapport à lui. Genre, il avait fait énormément de triples. Je me doute qu'il peut avoir des toxis. C'est un peu l'angoisse. Ceci, c'est que je ne trouve pas trop de cartes clés. Sur la tour, je peux avoir le singe sur un roll. À mon avis, lui, il va démolir les autres. Il va mettre des sacrées claques.
Bon, on a éliminé clairement un mec qui était très très dangereux parce qu'il avait Gold Affini, il pouvait faire des dingueries. Il a tué personne, il a mis moins 13 à elle qui joue démon. L'héroïne est cool. On veut pas forcément danser sur l'héroïne pour le coup, hein. Et on va danser probablement sur un Murloc, j'imagine. Bien bouffé lui, hein. Peut-être pas envie de perdre les stats ici. Aux elfes du sage doré en vrai. Je pense pas qu'ils me battent honnêtement. Je pense vraiment pas. Et ouais, pour chaque tour, il me faut vraiment. Il y a le taunt, mais il faut vraiment que je trouve un autre entourloupeur. Entourloupeur et LM de feu et. Et de l'héroïne, ouais. Et le cyclone aussi. Ah, la bonne nouvelle, c'est que personne n'a la combo bouclier diva et jouer avec les Murlocs toxiques serait vraiment infâme pour moi. Ça, c'est vraiment une super nouvelle. Le truc, c'est qu'il me faut plus de stats. Enfin, il me faut des bonnes stats sur des bons serviteurs. Ok, on retag Galivix. Donc là, il faut être fort là maintenant. Ok, j'ai une autre héroïne, ça c'est cool. Les bonnes nouvelles sera top, là j'ai l'impression. Ce qui est plutôt dommage. Alors, il a fallu que je focus peut-être exprès l'autre, soit t'es parfait. Oh, c'est bien ça. Pour que lui soit gigantesque. On peut même tenter le proc dessus, à nouveau. Après, je peux faire exprès de l'acheter avant et. Après, il faudra qu'il meure, mais bon. Ok, nice. Ok. Faudrait qu'il soit doré maintenant. Héroïne dorée, réussir à avoir lui doré, ce serait incroyable. J'ai un peu niqué mon écho pour ce tour, mais on a fait un bon tour. Bon, peut-être j'ai pas joué pixel, mais c'était quand même pas trop mal, j'ai l'impression. Après, il a tellement de stats, genre. On n'est pas tellement devant. Enfin, il fait 1100, il m'a sort de stats, mais. Je veux dire, par rapport au board qu'on a, c'est fou. Hein. Ok, nice. Super nouvelle, ça. Son frérot. Il faudra virer l'autre taunt pour éviter que. Pour essayer de faire passer les stats là-dessus. Mais en même temps, c'est peut-être pas la bonne idée ce tour-ci. Parce qu'il faut qu'il soit le plus gros possible ce tour. On va voir en vrai.
Bon, j'aime bien l'idée de faire ça. Ça. Ça et comme ça. Ok, pas trop mal. Pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Bah objectif, tripler les deux là. Tripler les deux et toujours la même chose, hein. Si je trouve un cyclone ou un LM de feu, c'est une bonne cible. C'est une bonne cible. Je crois que j'ai le droit à roll si je veux danser. Après, ça dépend si j'ai des cartes déco ou pas dans le shop. Genre, si j'ai un pirate 3-3 haut, ça change la donne. Genre, le tour contre lui, il me manquait des gold pour avoir le board full, mais c'est parce que j'ai dû bouffer, du coup, je pouvais plus acheter un dernier serviteur. Mais bon, ça nous a permis d'avoir le taunt sur le roll derrière, donc c'était cool. Même si au final, c'était même pas nécessaire. Alors évidemment, ton Téléroïne pourrait être aussi très intéressant. Mon avis, il va mourir, lui. Ouais. Ok. On va pas qu'elle soit non plus insane. J'imagine qu'on la prend et on booste un autre truc. Faut quand même qu'elle meure, l'héroïne. Hein. On est bien, mais lui aussi. Du coup, on va voir. Alors, on sait qu'il joue avec Héroïne et probablement qu'il tente Héroïne Vaillefendre. Donc, ce que je peux faire, c'est ne pas mettre Dynamiteur en A, mais le mettre en 2. Et du coup, je mets genre 101. 101, 102, 103. Comme ça, mon Dynamiteur peut peut-être contrer son Héroïne Vaillefendre. Donc, dans ce cas-là, quand vous savez que ça joue des boucliers Diva ou une Nadina ou autre. Bon, après, Nadina, c'est compliqué parce qu'elle peut normalement s'en parler. Enfin, soit, ça dépend en vrai. Mais. Reculer le dynamiteur est intéressant. Ça dépend du nombre de taunts et plein de choses, mais soit. Mettre en 2 c'est intéressant, ça en 3 du coup et. Yep. Yep, le placement me semble bien. Est-ce qu'il est trop gros? Non, on est trop gros. Il a toujours l'héroïne. On a mis le dynamiteur en 2 pour contrer ça. Ce qui est quand même plutôt important, on va pas se mentir. Là, on va pouvoir proc l'héroïne sans que les poids de vieille dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Plutôt important. Et on est juste trop gros. Franchement, c'est vraiment abusé les stats. Hein. Genre, le tour avec lui, là, c'était incroyable. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, on peut encore s'amuser. Par contre, c'est dangereux en vrai. C'est dangereux parce que. Il peut peut-être essayer de me la mettre quand même. Hein, parce qu'il a compris que j'avais reculé mon dynamiteur. Donc normalement il veut reculer l'héroïne. Donc en fait là il faudrait que je mette carrément genre dynamiteur en 3 je pense. Mais là de toute façon on va bouffer avec lui là-dessus pour qu'il soit plus gros. Donc ce que je vais faire c'est. Ok. Ouais mais le taunt je vais pas le faire sur l'héroïne. Par contre on pourrait taunter lui. Ouais mais il faut que l'héroïne arrive à reproc derrière. Donc c'est peut-être pas fou de taunter lui. Ouais. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû acheter l'autre avant. Bon, après, ouais. Je pouvais pas être sûr que les boosts aillent sur le bon de toute façon.
On va la jouer comme ça. Ouais, il a mis super loin par contre l'héroïne. Ok. Bon, j'avais pas anticipé qu'il la mette aussi loin. En même temps, s'il la met aussi loin, le risque c'est qu'il ait plus trop de board, mais ça passe, ça passe. Ça passe même très très bien pour lui. Les points de vie là-dessus, c'est vraiment horrible pour moi. Alors dans l'idée maintenant j'aimerais bien peut-être virer lui et rentrer à Wyfendre. Parce que il est pas si bien du coup là le dynamiteur. Je pense qu'on va virer le dynamiteur et booster un truc dans le shop. On a les gold pour, je pense. On va booster un Murloc auquel on pourra donner Toxie j'imagine. Potentiellement, ce genre de choses. Placement est pas parfait. Hein. Mon placement est pas parfait. Elle a récupéré des boucliers, ce qui est assez insane. J'ai envie de réfléchir par rapport à lui si j'ai envie de mettre ça plus tôt, mais le problème c'est que j'ai envie qu'il récupère la HP aussi et ça me fait chier quoi. Oh non! Bon après, lui il va être peinard là du coup. Après, il faut voir s'il prend pas trop de HP. Non, il a tout pris! Après, ouais, c'est close. Waouh. Après, il avait vraiment le setup démon ultra big, il avait les bonnes cartes tech, il a eu une très très grosse game, le Galvix. C'est quand même assez improbable qu'il fasse pas top 1 là-dessus. Ça passe pour nous, cette combo de quête qui est vraiment broken. Alors, j'y avais déjà pensé, évidemment des viewers m'en avaient parlé également, mais j'avais pas eu l'occasion de le faire, donc ben voilà. On l'a fait. J'ai eu l'intelligence, je pense, dans ce record. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.